Et nous revoilà pour un giga méga unboxing partie 2. Franchement j'adore ce genre de vidéos et j'ai vu que vous aussi vous aimez bien, donc ça me fait trop plaisir. Et pour aujourd'hui je pense que le meilleur il est ici. Du coup dans l'unboxing précédent j'avais dit que j'allais faire des concours, je vais les envoyer ce soir, je vais les préparer ce soir. Et bien sûr aujourd'hui il y en aura aussi. Parce qu'honnêtement je vais pas du tout garder tout ça pour moi. On partage. Est-ce qu'on commence avec la valise Sephora, la fameuse grosse valise Sephora? En fait ça ils l'envoient pas à tous les créateurs de contenu. Genre apparemment je crois qu'il y en a que 200. Et ils en distribuent 200. Genre il y a la moitié aux journalistes et la moitié aux créateurs de contenu. T'es rempli. Oh my god. Je sais pas si on voit la caméra. Je pense que je vais tout verser. Oh waouh, c'est incroyable. Donc voilà encore tout ce qu'il y a dedans. C'est énorme. Du coup il y a cette brosse, franchement celle-là c'est ma préférée, je l'utilise tout le temps. Elle abîme pas les cheveux, elle fait pas du tout mal. Ensuite on a des crèmes hydratantes. Ça c'est des huiles pour les cheveux, celle-là c'est ma préférée. On a une box after calendar avec d'autres petites choses. Vous verrez, surprise. On a un baume à lèvres de la marque Ultraviolette. Un blush de Pixie, rouge à lèvres Sephora. Ici on a le stick à paupières de Rare Beauty. Je sais pas ce que c'est, un protecteur sans rinçage. Bumble and Bumble. Une palette Sephora, le parfum Givenchy. Et voilà quoi. Que tout ça là c'est déjà ce que je vais vous donner. Ensuite on va passer à une petite boîte. Allez maintenant on a fait un gros, on va faire un petit. C'est de la marque Olit. Ça me dit rien du tout, je connais pas. J'aime bien quand c'est personnalisé comme ça. For Esra. Ils ont pas mis Lily. Bien souvent on dit toujours Lily. Alors la beauté in and out. Ah un peigne. On a un petit peigne. On a une huile capillaire. Huile capillaire pour les cheveux. Attendez, je pense que vous êtes trop loin. Voilà, je pense que là on est un peu plus proche. Et on a aussi un complément alimentaire liquide pour les cheveux. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est sous forme de liquide. Et on a aussi une petite pince. Trop mimi. Ensuite, on va prendre un d'ici. Il est tout petit, tout mimi. C'est Dermalogica. Il est beau, c'est un coffret. Et dedans, il y a une poudre exfoliante, un sérum hydratant et une crème hydratante. Ensuite, Ardell. Ardell Beauty, ça me dit rien. Oh, un serre-tête. Oh, un serre-tête papillon. C'est beau. Oh, j'adore. C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, waouh. Des fossiles avec des strass. Vous voyez les strass, là? Oh, j'adore. Et là, on a des faux ongles, mais bon. Moi, comme c'est toujours ma belle-sœur qui me fait mes ongles, j'en ai pas besoin. Celui-là, vous allez être choqués de ces... Voilà. Alors, ensuite, une boîte vide. Ensuite, ici, on a la marque The Ordinary. On a le sérum à l'acide hyaluronique. Et je crois que le format, il a changé, il est plus grand. Ah non, c'est un 30 minutes. C'est le sérum à l'acide hyaluronique, le fameux, qui est très connu de toute façon. Et si vous ne connaissez pas, bah, je peux vous faire connaissance. Ensuite, on a lui. Beauté Focus, pour des cheveux, des ongles et une peau magnifique. Je pense que c'est des gummies. Ouais, 30 gélules capsules. Complément alimentaire à base de vitamines, minéraux et extraits de plantes. Ma mère, elle adore les gummies, du coup, je vais lui passer. En tout cas, j'ai jamais vu cette marque. Alors, on va prendre lui, tiens. Ah, oh, j'ai pas envie d'abîmer le packaging, mais bon. Ah, oh. Bon, ça devait être satisfaisant, mais... Ah, c'est trop mims. Oh, Nude Glow. Mon fond de teint préféré en ce moment, je mets que celui-là. Genre, il donne du glow de malade. Qu'est-ce qu'on a à côté? Une ombre à paupières. Je savais pas qu'il faisait des ombres à paupières. À tester, à tester. L'amour de ma vie. Et en fait, ils ont 3 CC crèmes. Il y en a une glowy, il y en a une matte et il y en a une normale. Et moi, ma préférée, bien sûr, c'est la glowy. Ah, pite. On passe un peu au gros carton, là. La bulle, elle est énorme. Elle pète? Ah non. Non, c'est pas plus mal, je prendrai ça pour envoyer vos colis. Nous avons d'abord une crème hydratante de MAC. Le packaging est magnifique. Ensuite, on a la boîte. Voyons voir ce qu'on a dedans. Ouh, je pense que c'est toute la gamme hydratante. Donc on a le sérum. Et en fait il y a des petites nacres dedans, du coup ça donne un effet glowy. On a un beau pinceau, une crème moussante nettoyante. Ça je l'ai pas encore testé, mais j'adore le packaging, c'est tout brillant. Et enfin une huile démaquillante, elle est énorme. Pourquoi il y a 2 trucs? Ah ok. Oh, c'est trop pratique ça la pompe en vrai. Pas mal, pas mal. Ensuite on va passer à ce carton. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'y mange aussi. C'est pas trop mignon. On a une autre petite boîte et oh, un parfum, un gentleman. Il y a plein de make-up. On a d'abord une petite palette. Oh, il est beau le packaging. Et ça, c'est les couleurs. Elles sont grave mimes. C'est trop mignon. Il y a du doré, il y a du rosé, il y a un peu de tout. Ma mère, elle a validé. Ensuite, on a un blush. Oh, waouh. Je suis choquée. Oh là là. Est-ce que vous voyez, en fait, il y a 4 blushs de 4 couleurs différentes. Mais du coup, pour le mettre, tu dois tout mélanger. Un rouge à lèvres. Oh, waouh! J'ai jamais vu ce packaging. Incroyable. Je n'avais jamais vu ce packaging de ma vie. Waouh. Et là, on a un petit baume à lèvres. Oh, il est noir. En fait, il y a plein de produits Givenchy que je connaissais pas du tout, mais alors pas du tout. Ah, cette teinte révélatrice adapte au pH de la peau pour une couleur naturellement intensifiée. Oh, c'est pas fini! Il y a encore ça. Ah, c'est un élastique, trop bien. Oh, waouh! C'est beau, un petit coffret de parfum.
Ils sont grave bons. Ah ouais. Ouais. Pour l'hiver, moi je trouve qu'ils sont bons. Ouais. Je crois qu'il y a de la vanille dedans. Et ben vous savez quoi, vous aussi vous allez le tester. Vous me redirez s'ils sont bons. Ça en vrai ça peut faire un joli sac à main. Ouais. Ensuite on va passer à ce gros carton. Oh, c'est lourd. Ah, YouTube. Oh my god, qu'est-ce que vous m'avez envoyé YouTube. Qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est toi? Oh my god! C'est trop stylé, J-Hope, il y a toujours plein de figurines comme ça. Oh mais regardez sa ceinture. C'est trop beau. C'est écrit Lilis Lila. Là, Lilis Lila, depuis 2016. Oh my god, j'ai chaud. Oh, je vais mourir, c'est trop mignon. C'est un haut-parleur? Oui. T'as essayé? On va essayer. C'est un trop beau cadeau, merci YouTube. I've always been the kind of girl. Si tu tournes la main, qu'est-ce que ça fait? Ça change de musique. Et le son, c'est l'autre main. C'est incroyable! What I've got to say. Ensuite, on passe à un autre gros colis. Oh! Un calendrier de l'Avent. Je pense qu'il y a eu des retards dans les livraisons. Ça, c'est un calendrier du Nouvel An. Ah, c'est un calendrier du Nouvel An. C'est trop mims. Et ce n'est pas fini. Oh là là. Wow. Tum, tum, tum. Wow. Il y a plein de trucs pour faire du thé, café. On a un pinceau. Deuxième pinceau. Ça sent trop bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Oh, il est magnifique, c'est du thé. Une édition très limitée. Kismiti. Ou direct boîte de conserve. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression d'ouvrir mes petits poils, là. Oh, waouh. Mélange aromatisé de thé noir, orange et épices. Ça sent une brume corps et cheveux. Je savais pas qu'ils avaient des brumes et corps pour les cheveux. On a une huile pailletée corps et cheveux. Regardez les paillettes. Oh, il est trop beau, un petit mec. Ensuite, on a un beau petit paquet avec plein de vernis. Oh, très mimes les couleurs. Les couleurs, elles se ressemblent un peu avec la petite, je trouve. Et au milieu, on a un blush, un bronzer et un highlighter. Trop bien. Oh, waouh. Un fluide highlighter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un duo. Palette truc. Oh, c'est trop mignon. C'est Rikiki. On arrive bientôt à celle-là. Mais tout d'abord, on va faire toutes ces enveloppes. Alors, dans celle-là, on a du Lanolix. Meilleur baume à laver avec la neige, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est incroyable. Oh, bah, ça se met sur les lèvres, les cuticules, les coudes et les talons. C'est vrai que mes coudes, je les calcule jamais alors qu'ils sont secs comme jamais. Ensuite, on a une autre enveloppe. Celle-là, elle est trop belle. Oh, Baptiste. Oh là là, Baptiste. Mes shampoings secs préférés. Franchement, j'ai trop la flemme de toujours laver mes cheveux. Et en fait, j'essaye de. Et ça c'est au maximum mes shampoings. Et du coup quand j'ai les cheveux gras, c'est exactement ce que je mets pour repousser de 2 à 3 jours mon shampoing. C'est le meilleur shampoing sec et je vous jure, j'en ai essayé des tonnes et des tonnes. Et on a aussi un après shampoing sec sans rinçage. Et la dernière enveloppe, qu'est-ce que c'est? Rimmel, sublimez vos ongles. Plein de vernis de fête. Ah, on passe à lui? Non, attendez, on va faire des copains, ça va. Qu'est-ce que nous avons eu? Ah, ma mère, elle m'a déjà envoyé en photo, je crois. Tout s'est déplacé. Oh. On a déjà un briquet. Il est trop stylé. Même leur briquet, il est stylé. Oh, très mimes. Ensuite, nous avons une grosse boîte. Ah, c'est une bougie. Je connais pas. Je connais pas l'odeur. Et le dernier, c'est une montre. Oh là là. Avec un petit cœur à l'intérieur. Est-ce qu'on passerait pas au meilleur? Du meilleur. Du meilleur. En fait, je sais déjà ce qu'il y a dedans parce que j'ai fait un unboxing sur TikTok, mais... Que je vous le montre aussi. Vous êtes pas prêts. Regardez-moi la beauté. Je suis amoureuse. Les packagings, ils sont incroyables. Ça, c'est des poudres. On a même une poudre. Regarde, on a une poudre rose pour le visage, hein, pour fixer le teint. Ça me choque de ouf. On a une poudre blanche et une violette. What? Incroyable. Là, du coup, tout ça, là, c'est des lipsticks. Et là, c'est des fards à paupières liquides. Ils sont magnifiques. Oh, il y a un cheveu, l'histoire de ma vie. Et c'est pas fini, là tu ouvres. Qu'est-ce que nous avons? Des magnifiques miroirs, il y en a 3. Là on a des blushs. Si vous voulez voir l'intérieur, en vrai, ce sera sur mon TikTok. Ensuite, ici on a 2 pinceaux, ils sont trop beaux. Et une brosse à cheveux, magnifique. J'ai trop l'impression d'être une princesse. Et là, on a des palettes pour les yeux. Je vous spoil pas l'intérieur. Et TikTok. Et là, c'est encore des blushs. Quand je vous dis que c'est le meilleur, je vous jure que quand j'ai unboxé ça, là, j'étais comme une folle. J'étais trop excitée. Trop contente. Ensuite, on a une autre enveloppe. Oh là là, ce parfum. C'est mon préféré de chez Kylie. D'habitude, Kylie, j'ai... Je sais pas, j'avais du mal à trouver mon odeur. Mais celui-là, il est incroyable. Oh là là. En plus, à l'autre, quand j'étais avec Fabien, je faisais que de lui piquer le sien parce qu'il l'avait déjà reçu. Oh là là. En fait, c'est au litchi, je crois. Ça vient de la compagnie de Provence. C'est parfait. J'avais plus de savon liquide pour les mains. Très bien emballé, en tout cas.
Ça, c'est un savon exprès pour l'hiver. C'est aux épices d'hiver. Oh, ma mère, elle mange un tiramisu. Je vais le dégommer. Et là, on a un savon doux sapin. Je suis pas sûre d'aimer parce que des fois, j'ai du mal avec les odeurs d'hiver. Eh ben, on va passer au-dessus. On va passer ici. C'est à lui qui m'intrigue. C'est pas trop Mims. Ça vient de Hanoi. Je connais pas du tout. Oh. Ah, c'est trop Mims. On a un passeport et tout avec des stickers. J'adore. Trop mignon. Name Hanoi. Ah, c'est coréen. Nationalité sud-coréenne. Oh, là, ça m'intrigue. C'est trop bien fait. On a un toner qui hydrate et calme la peau. J'essaie de traduire en même temps. Ensuite, on a un sérum niacinamide. Oh, glass skin. Donc, ça veut dire peau glowy en mode Hailey Bieber. Tout ce que j'aime. Là, on a quoi? Ah, ça, c'est des nouveaux. Ça, c'est les best-sellers et ça, c'est les nouveaux. Ça, c'est un toner exfoliant. Trop hâte de tester. Moi, je vous ai dit, hein, beau packaging, la moitié du cœur d'Estra est à vous. Ensuite, ça, je vous avais vu sur TikTok. Du coup, j'avais dit à ma mère de l'acheter à Axio. Bah voilà, l'image parlera mieux que moi. En gros, tu mets ça entre tes livres et en fait, c'est un monde. Tu construis le monde et en fait, l'intérieur, ça va être celui-là. Bon, j'ai pas encore mes livres. En fait, moi, j'ai que sur mon Kindle. Du coup, j'ai pas encore les livres en physique. Mais dès que je déménage, dites-vous que c'est vous qui devez tout construire de A à Z, genre plier les livres et tout. Ça a l'air super minutieux et avec les ongles, je sais pas si je vais réussir à le faire. Donc, on va voir. Ma mère, en tout cas, elle va m'aider. Ça, c'est sûr. Oh, lui aussi, il a l'air incroyable. Non, j'avais vu un story sur Insta. Il y avait plein d'américaines qui l'avaient et j'étais là en mode. Waouh, Jésus. Ah, c'est Rabé, tu dois envoyer des chaussettes. Je vais mourir de rire. Oh, une tablette de chocolat noir. Noir, c'est pas du tout ma vibe. Ça, ma soeur, elle va kiffer. Oh, une crème pied, une crème main. Je savais même pas que j'ai des crèmes pour les pieds. Bon, moi, j'avoue, j'aime pas les pieds, donc je ne toucherai pas mes pieds, même si c'est pour mettre de la crème. Et là, on a un baume hydratant hyper méga grand. Il est énorme. Ensuite, ici, vous savez ce qu'on a? Est-ce que vous connaissez ce F? Est-ce que vous connaissez ça? For me? Non, vous voyez toujours pas? Est-ce que vous connaissez cet individu? C'est Fabien! C'est sa marque! Et là, il a sorti des palettes! La prisme qui est magnifique. En termes de couleurs, c'est ma préférée. En plus, les prix sont super abordables. La pigmentation, elle est incroyable. Et regardez à l'intérieur de la palette, c'est trop beau. Et comme Fabien m'a déjà donné des exemplaires, je vais vous offrir cela. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez de la pigmentation et tout. Je n'aurais même pas besoin de parler. Vous allez tester vous-même et me dire vous-même. On a pareil, mais cette fois-ci, c'est la palette marron. Donc, tout à l'heure, c'est la prisme. Je pense celle-là, je pense que c'est celle que j'utiliserai le plus. C'est trop mes couleurs de tous les jours. Et enfin, on a la noire. Celle-là, j'utilise pour me faire des liners fumés. Regardez-moi ces beautés. En plus, il y a de tout. Il y a de l'argenté, il y a du blanc, il y a du noir. Ensuite, on a un sac de la marque Ipsos. On a une petite lettre pour Lilis Lila, spécialement sélectionnée avec soin juste pour vous. Je les avais déjà vues, mais j'avais oublié à quel point elles sont trop belles. Et on a un collier aussi, me semble. J'ai hâte de porter ces bijoux, ils sont trop beaux. Merci. Ensuite, ça c'est ma commande ELF. J'avais commandé directement sur le site ELF et en fait, oh, j'avais pris des crayons marron. Rien. En fait, j'ai pas de crayon marron. Donc j'avais commandé 3 crayons à lèvres et celui-là, je pense que c'est celui qui va le plus me plaire, le marron foncé. Et plein d'autres choses. Du coup, on a le fameux fond de teint. En fait, je le voyais tellement que je me suis dit, vas-y, Esra, essaye-le et vois ce que ça donne. Oh, dewy finish, donc ça veut dire fini glowy. Ensuite, j'avais pris quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, une ombre à paupières. C'est beau. Et ça, ces blushs-là, je les ai commandés parce qu'en fait, ils viennent de sortir. Et apparemment, c'est les dupes parfaits de ceux de Rare Beauty. Mais en moins cher, du coup. Apparemment, vraiment, ils sont aussi pigmentés. T'en mets un peu, ça suffit largement. Oh, j'ai pris des encres à lèvres. Je sais pas pourquoi j'avais ça, mais j'ai pris des encres à lèvres brillantes. Je pense qu'il y a un beau résultat. C'est bizarre, d'habitude, les encres à lèvres, elles sont pas brillantes, elles sont juste mates. Hâte de tester. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un gel nettoyant bioré, un assortiment de patch purifiant contre les points noirs, un exfoliant réducteur de pores. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Blow up en un coup d'œil, my little box. Les 3 premiers mots que vous verrez donneront le tempo de votre année. Ah, voyage, gourmandise, passion. Très mimes. Et qu'est-ce qu'on a du coup? Oh, une housse d'ordinateur! C'est pas, je vais en commander une et je l'ai reçue aujourd'hui. Et on a... Oh, il y a du make-up. Il y a un dé. Est-ce que c'est un truc de jeu? Un collier porte-chance. On a une petite lune. Je comprends pas, cette marque, elle a de tout. Une ombre à paupières liquide. 221. Soin qui démêle cheveux. Et d'une autre marque encore, crème hydratante visage. Ah, du coup, le nœud, je pense qu'il était plus joli que ça. Mais bon, tu t'es bien débrouillé, maman. Oh mon dieu! C'est trop beau! J'adore cette marque, vraiment. En plus, regardez, il y a des strass ici. Ouais, j'ai cru que c'était un E, j'allais dire, ouais, ils ont personnalisé jusque-là. Mais non. La lip oil, je la connais, elle est incroyable, je l'aime trop. Vous la testerez, vous me direz. L'huile capillaire pour les cheveux, l'une des meilleures huiles, je trouve, avec Fab Landman. Attendez, vous m'avez dit quoi? Vous connaissez pas cette huile? Ah, mais...
T'inquiète. Du coup, en gros, c'est ça l'huile. Je vous ai même pas montré, je la rangerai. En fait, quand tu la mets, elle te fait briller les cheveux, elle les nourrit, elle les hydrate. Vraiment, genre, moi, quand j'en mets, je vois la différence. Ça passe de paillasson à tout lumineux. Non, mais de toute façon, vous allez me dire. Même des stickers, je trouve ça beau. Genre. Sérum réparateur. Celui-là, c'est avec des billes à l'intérieur. Il me fascine ce produit. En gros, ça, tu le mets sur cheveux humides. Et ça va te réparer tes cheveux quand ils sont cassés, abîmés. Et aussi de la protection UV et pour la chaleur. Quoi? Vous la connaissez pas non plus? T'inquiète. Non, en vrai, je ferai le concours sur mon Instagram parce que c'est plus pratique. Parce que sur YouTube, je peux pas vous contacter par un message privé. Donc ça sera sur Insta en story. Ici, on a un masque capillaire pour les cheveux. Oh! J'ai vu un bijou. Attendez, attendez, je finis ça. Il est énorme. Genre, je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais... énorme. Une base coiffante. Je comprends pas ce que c'est. La base coiffante infusée à la propolis prépare les cheveux pour la routine de coiffage en prévenant et en réduisant les frisottis. Oh, tout en améliorant la texture, le volume et la définition des cheveux. Qu'est-ce que c'est? Un bracelet? Écoutez, je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, c'est très mignon. Je pense que c'est un bracelet, mais en fait, là, c'est un élastique. En tout cas, c'est trop beau. Ensuite, on a de la marque Fresh. On a le nettoyant, on a une crème de jour et une crème de nuit. La crème de jour, ça cible les premiers signes de l'âge et protège la peau. Et la crème de nuit, ça régénère la peau stressée et teinte pendant la nuit. Et là, on a un trio de baume à lèvres. Ensuite, Laura Mercier, les sticks pour les yeux. Et on a palette d'ombre à paupières. Ah, c'est du papier. Bon, je pensais que Laura Mercier, c'était un peu plus quali. Mais ça fait... je sais pas. J'adore les couleurs, par contre. Ensuite, oh, paille. On a une crème à la vitamine C, un illuminateur bronzer goutte bronzante en mode Drunk Elephant. Oh là là, ce coffret! On est après. T'es prêt toi? Ah bah tu vois, t'as déjà vu. Je l'ai eu chez Fabien. Ah! Il y a tous les blush bronzer highlighter de la marque. Genre. En criquant. Ah, je peux pas, c'est trop. Là, je vais vous montrer un bronzer. Il est comme ça. De toute façon, je pense que je ferai des vidéos là-dessus sur YouTube Shorts et même TikTok. Ensuite, on a un blush. Ah, incroyable. À tester. Et un highlighter. Je vous montre un highlighter vite fait. Et un petit highlighter. Ensuite, le dernier. On a Typologie. Un hydrolat. Ah, je savais pas qu'ils faisaient des hydrolats. Un hydrolat et un gel nettoyant. Le gel nettoyant, c'est trop pratique quand je prends le métro et tout. Ouais. Et là, on a une crème visage, masque purifiant, un sérum. Par contre, là, quand... enfin, c'est tout petit. Ça m'intrigue comment c'est. Ah, c'est un mini tube. C'est trop mimes. Et enfin, le dernier colis. Yes Style Mystery Box. C'est une dinguerie. En fait, sur TikTok, j'avais vu un masque japonais qui avait été viral et j'étais allée chercher sur Amazon. Mais je ne l'avais pas trouvé. Et là, qu'est-ce que je vois là-dedans? Je vois que Yes Style, je l'ai envoyé, il est là. Je suis trop heureuse. J'avais même pas pensé à aller voir sur Yes Style pour voir s'il y était. Donc, on a une huile pour les cheveux de Shiseido. Oh, mais ça vient de Shiseido. Oh, c'est une bonne marque en plus. Waouh, le packaging, il est incroyable. Donc ça, c'est une huile pour les cheveux. C'est ça, le fameux masque japonais. Je ne spoilais pas. En gros, l'intérieur, c'est tout visqueux, tout bizarre. Je ferai un crachet sur TikTok. Oh, waouh. Le packaging, il est magnifique. Ah, c'est un shampoing. J'ai hâte de me laver avec ça. Un push-push pour les cheveux. Ça, c'est de la marque Apieux. Et je crois qu'ils ont aussi du make-up. Parce qu'il me semble que j'avais commandé du make-up. Ah, raspberry, c'était quoi? Je sais plus. Oh, je sais pas, je suis trop mieux en odorat, je vous avoue. Et le dernier paquet, c'est ça. J'aime bien le packaging, il est marrant. Oh, oh. Je vais mourir de rire, c'est du génie là. C'est collagène protéine traitement. Trop stylé. Bon, et ben voilà, c'est la fin de ce unboxing géant. Là, ce que je vais faire, je vais trier ce que je vais vous offrir et ce que je vais garder. Parce qu'il faut que je teste aussi les produits. On se retrouve au prochain unboxing. Je sais pas, ça sera quand en vrai. Et voilà tout ce que je vais vous offrir. Il y a du Jisoo, il y a du Sephora, il y a du Formi. Il y a plein de trucs. Et voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Bisous.